Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons examiner le module d'échange cybernétique de vos propres des jetons créés sur la plateforme d'Aginadautres. Donc ici, sur cette plateforme, vous pouvez non seulement créer des jetons, mais aussi les échanger. Cinq réseaux différents sont pris en charge. Je vais montrer dans cette vidéo, à l'exemple du réseau Telegram, c'est le réseau Ton, le Ton. Avant de commencer à créer un jeton, la création d'une carte d'échange cybernétique et l'échange cybernétique lui-même, vous devez vous inscrire sur la plateforme. Inscrivez-vous en cliquant sur le bouton Créer un jeton. Voici un grand bouton bleu ici. Cela nous redirige vers la page d'inscription où il vous faudra renseigner vos informations d'inscription, c'est-à-dire que nous allons inventer un pseudo ici. On le tape ici, on indique les actifs. Assurez-vous d'utiliser un email actif car il faudra suivre un lien dans le message pour confirmer cet email. Créez un mot de passe, confirmez le mot de passe ici. Entrez le code d'invitation, si vous n'en avez pas, vous le trouverez dans la description sous cette vidéo. Je vais également attacher ici un code QR. En cliquant dessus, le code sera déjà rempli ici. Cochez la case pour accepter les conditions d'utilisation. Il est essentiel de les lire au préalable. Nous passons le CAPTCHA et cliquons sur le bouton Créer un compte sera créé ensuite. Il faudra confirmer l'email. Donc, vérifiez votre courrier, il y aura un email de Jean. Il faudra suivre le lien de cet email et le compte sera entièrement prêt à être utilisé. J'ai déjà préenregistré un compte, donc je vais juste aller à mon espace personnel. Voici à quoi ressemble le tableau de bord. Ici, vous pouvez voir tous ces jetons disponibles que vous avez ici, ça, ceux qui sont créés, les échanges cybernétiques de cartes créées et ainsi de suite, tout est indiqué ici. Je montre, je répète à l'exemple du réseau Tone. Donc, je peux directement aller ici. Tout est à zéro ici. Aucun token n'a encore été créé ici. Avant de créer des tokens, il ne suffit pas de s'inscrire. Nous devrons également créer des portefeuilles parce que dans Ton, le portefeuille doit aussi être dans le réseau Ton. Si vous n'avez pas encore de portefeuille, c'est le moment de les créer où nous créons des portefeuilles. Il y a essentiellement deux options. Donc la première option est Ton Hub et la deuxième option est Ton Keeper. Je vais montrer sur l'exemple de ThinPen que j'ai déjà installé. Donc ces deux portefeuilles ne sont pas disponibles, comme sur les appareils mobiles, ainsi que disponibles sur VContact. Je regarde la version pour ordinateur ici, mais voici un lien de téléchargement uniquement pour les versions mobiles, c'est-à-dire iPhone et Android. Ton Hyper propose également iPhone, Android et versions pour ordinateur sont disponibles ici. Et il y a aussi une extension de navigateur, ce qui est très pratique. Personnellement, je trouve plus facile de l'utiliser. Toujours avec des extensions de navigateur, donc je l'ai déjà installé ici. Que faut-il faire? Juste passer ici, par exemple, j'ai installé l'extension du navigateur Tonekeeper. Cliquez sur le bouton correspondant. Je veux l'insérer dans Chrome, par exemple. Vous choisissez le navigateur que vous utilisez. Ouvrez le lien dans un nouvel onglet. Cela nous redirige vers la page de cette extension. Il suffit de l'installer. J'ai écrit supprimer parce qu'il est déjà installé. Et voilà, votre extension est installée. Vous le trouverez ici ensuite. Ensuite, allez ici, je suis déjà enregistré, donc le tableau de bord du portefeuille s'affiche directement pour moi, mais vous devrez le faire. Cliquez ici sur quelques boutons, je pense qu'il y aura s'inscrire, ou quelque chose comme ça, créer un portefeuille. Ils vous proposeront, saisissez ce qu'on appelle une phrase pour accéder au portefeuille, de 12, je crois, ou de 20 mots, je ne me souviens plus exactement. Vous devrez noter quelque part, et également inventer un mot de passe. Voilà, votre portefeuille est créé, juste deux étapes nécessaires. Je pense que vous vous en sortirez ici. Rien de compliqué ici. Tous les liens vers les portefeuilles Tonekeeper et Tonehub peuvent être trouvés dans la description sous cette vidéo. Je vais également l'attacher ici. Code QR pour que vous puissiez rapidement accéder via les codes QR. Allons retourner au tableau de bord. Et après toutes les opérations préparatoires, c'est-à-dire l'enregistrement sur la plateforme d'Agin, la création d'un portefeuille, nous pouvons déjà passer à la création de notre propre jeton ici sur cette plateforme. Pour cela, nous passons à l'onglet Création et Token. Ici, cela nous redirige vers la page de création où vous devrez remplir, ou plutôt spécifier les champs nécessaires. Titre, c'est le nom de votre jeton. Je vais choisir le nom Cyber Barter Byte. Le symbole de votre jeton jusqu'à 5 lettres majuscules sera appelé jeton Bitex. Je vais mettre le nombre maximum de tokens émis ici. Laissez le nombre de décimales par défaut à 6. Pour le réseau sur lequel le jeton sera émis, l'essentiel est de ne pas se tromper. Choisissez le bon réseau, celle qui vous est vraiment nécessaire, dans laquelle vous souhaitez créer un jeton. La description de votre jeton. Pour l'instant, je vais copier la même chose. Faisons-le comme ça. Ensuite, le logo de votre jeton dans le réseau Ton.
Vous pouvez choisir ici un fichier logo. Choisissons-le maintenant, je l'ai préparé à l'avance. Et le dernier champ, le plus bas, est l'adresse de votre portefeuille, le portefeuille dans le réseau, ton. L'adresse du portefeuille, nous la prenons de, en fait, de votre portefeuille. Je vais prendre ça à partir de ton keeper parce que j'utilise ton keeper. En fait, voici l'adresse, mais nous voyons ici que l'indice est EQ, alors que mon portefeuille commence par UQ. C'est-à-dire que dans le réseau Tone, il y a différents formats d'adresse pour ces portefeuilles, et donc nous pouvons correspondre à cet indice et convertir en quelque sorte une adresse, bien choisir une adresse dans un autre format. Pour cela, vous pouvez utiliser le service ToneViewer. Nous copions l'adresse du portefeuille, nous passons à toneviewer.com et voilà, je suis directement allé sur la page de ce portefeuille, c'est-à-dire que j'ai tapé dans la recherche à l'adresse du portefeuille, j'ai appuyé sur Entrée et cela m'a immédiatement redirigé ici. Et nous voyons ici l'adresse, c'est précisément l'adresse au format EQ, prenons-la donc. Nous prenons, copions, revenons en arrière et collons-le dans ce champ. Vérifions encore une fois si tout est correctement indiqué par vous. Si tout est bon, cliquez sur le bouton Créer un jeton. Et cela nous redirige vers la page de paiement. Je vais payer en crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'il faudra payer 25 dollars. On peut aussi payer par carte bancaire. Mais allons-y, je vais choisir la crypto-monnaie tout de suite. Appuyons sur le bouton Choisir. Ça nous redirige vers le portail de paiement et ici, vous pouvez choisir en quelle crypto-monnaie vous allez payer. Le moyen le plus simple et le plus pratique pour moi, c'est d'utiliser USDT, c'est-à-dire payer en USDT TRC20. Un équivalent du stablecoin dollar, c'est-à-dire 1 USDT, c'est 1 dollar, dans le réseau Tron, c'est-à-dire que nous le choisissons. Cela est indiqué ici, le montant du paiement que vous devez effectuer, c'est-à-dire 2563, ne peut pas être arrondi dans aucun sens. Voilà ce qui est indiqué, doit être payé, et nous indiquons également un courriel. Tout cela, après avoir tout indiqué, nous appuyons sur le bouton Continuer. Et ici, on nous montre l'adresse du portefeuille où nous devons envoyer les fonds. Je le répète, c'est 2563 USDT. Et ici, vous pouvez de votre côté, du portefeuille sur lequel vous avez déjà des USDT, il suffit de transférer 25,63 à ce portefeuille. Si vous n'en avez pas, bah, vous pouvez utiliser le service de Best Change. Best Change est un agrégateur de bureaux de change et envoyer directement, ou plutôt échanger depuis votre carte, par exemple une carte bancaire vers ce portefeuille. Comment procède-t-on? On cherche ici dans la colonne Vous donner ce que vous allez échanger. Par exemple, si vous souhaitez payer, par exemple, avec une carte de Sberbank, nous choisissons Sberbank. Et il faut convertir en USDT TRC20, c'est du Tether TRC20, on choisit. Ici, nous avons une grande variété de bureaux de change. Choisissez celui qui vous plaît. Regardez, il y a aussi des montants minimaux que vous pouvez transférer. 25 dollars, c'est environ 2000, 2500 roubles. Donc, voyez ceux qui vous conviennent. Par exemple, pour moi, même ici, je n'y verrai aucun inconvénient. Bien sûr, il faut descendre pour les grandes sommes. Eh bien, par exemple, oui, EasySwap à partir de 2500, bien que cela puisse aussi être beaucoup ici. Ici, il varie selon le taux de change, c'est-à-dire que plus c'est bas, moins le taux est avantageux. On sélectionne le changeur souhaité, c'est-à-dire qu'on effectue le transfert directement vers ce portefeuille spécifié ici, et on attend quand votre transaction sera effectuée. Je n'ai pas besoin de faire cela, car j'ai déjà un portefeuille préparé avec des USDT, et je vais juste faire un transfert maintenant, et nous attendrons qu'il soit transféré. Alors, tout est prêt, j'ai payé. Voyons maintenant comment ça se passe avec la création du token. Cliquons sur le bouton pour retourner au magasin. Alors, oui, le paiement a été effectué, le token est prêt à être créé. Cliquons sur le bouton Créer un token Bytex. Et voici notre processus de création. Cela prend, selon moi, juste environ 1 minute. Attendons maintenant. Et voilà, le token Cyber Barter Byte ou Bytex a été créé avec succès. Retournons maintenant au tableau de bord. Nous appuyons sur le bouton Mon jeton pour voir comment il s'affiche. Alors, nous choisissons le ton et on voit que oui, en effet, le jeton a été créé. Et ici, voilà, nous voyons son contrat intelligent. J'ai mis la vidéo en pause pour attendre l'attribution des jetons bonus.
et voyons-les maintenant dans Tone Viewer. Nous passons à Tone Viewer. Ici, j'ai déjà entré mon portefeuille à l'avance et suis allé à l'onglet Tokens. Et comme vous pouvez voir, mon propre jeton créé ici, nous le voyons. Au nombre, c'est un surnombre de 1 milliard de pièces. Ensuite, nous avons reçu des jetons Dislike, Love, Like. Ce sont des jetons bonus et des jetons bonus de CyberEuro nous ont également été attribués au nombre de 1000 pièces. Avec ces CyberEuro, nous créerons plus tard une carte d'échange et ajoutons immédiatement les jetons au portefeuille. Dans le cadre Mince, cela se fait très simplement. Nous passons ici à l'extension. Nous allons dans les paramètres. Ici, il y a un onglet pour les jetons. Et nous pouvons choisir les jetons que nous avons dans notre portefeuille. C'est-à-dire que nous pouvons, par exemple, les sélectionner tous. Ils seront affichés directement ici, dans l'onglet du portefeuille. Petit trésor, c'est-à-dire que nous voyons ici Tone et tous ces jetons que nous avons dans notre portefeuille. Je les ai ajoutés. Laissons-les ainsi pour maintenant parce que nous devrons les envoyer plus tard. Ainsi, il sera plus pratique de le faire d'ici. Je reviens ici, continuons. Passons maintenant directement à l'échange cybernétique. L'échange cybernétique se fait sur l'onglet Web3 Exchange. Allons-y tout de suite. C'est d'autre dire que dans le cadre de l'EC échange cybernétique, vous pouvez aussi changer des jetons contre d'autres. Plusieurs Raxo sont également pris en charge ici. BNB, Polygon, Tron et Tone. Et ben, comme je parle d'abord de Tone, j'ai créé un token dans Tone, donc je vais aussi utiliser Tone ici. C'est-à-dire, sur cette page, dès que vous êtes arrivé ici, vous pouvez voir les paires déjà préconfigurées ici, c'est-à-dire celles que d'autres utilisateurs ont ajoutées ici ou l'administration. C'est-à-dire, si par exemple vous voulez juste échanger des jetons l'un contre l'autre, vous pouvez chercher ici, peut-être y a-t-il déjà une paire qui vous intéresse. Si vous souhaitez cranker le ventre, pour ajouter ici ou simplement créer une fiche que d'autres utilisateurs peuvent utiliser pour échanger des jetons, il faut descendre un peu plus bas où on trouve deux gros boutons. Le premier bouton à gauche crée une paire et l'ajoute ici, pour que les autres utilisateurs puissent immédiatement voir cette paire ici et choisir. Le deuxième bouton crée juste une carte d'échange. Elle ne tombe pas ici comme une paire. Ceci crée une telle carte que vous pouvez donner à d'autres personnes via un lien vers cette carte et elles peuvent échanger des jetons par le code QR ou par adresse. Je vais maintenant créer une carte d'échange personnalisée. Elle est créée pour 500 jetons bonus. Pour cela, cliquez sur le bouton correspondant, vous serez redirigé vers le menu de création de la carte d'échange. D'ailleurs, vous pouvez changer la langue ici. Si l'anglais ne vous convient pas, par exemple, vous pouvez mettre l'espagnol, il y a cette langue ici. Vous voyez, tout change. Mais l'anglais me convient. Je laisse l'anglais par défaut. Alors, remplissons cette fiche maintenant. On procède comme d'habitude, de haut en bas, la première chose à faire est de spécifier le réseau. L'échange fonctionnera, je vous rappelle que le ton ici est ce qui compte. Il ne faut surtout pas se tromper, c'est-à-dire qu'avec le réseau, on ne peut jamais se tromper. Sinon, vos jetons pourraient disparaître. Et ne pas revenir pour ainsi dire, oui, c'est-à-dire que vous pouvez simplement les perdre. Donc, nous choisissons ici le ton. Ensuite, je vais créer un échange de jetons like pour des jetons Bytex que j'ai créés respectivement à gauche. Adresse du contrat de jetons pour recevoir ici, nous spécifions l'adresse du jeton like et ici, nous spécifions l'adresse du jeton Bitex ou les obtenir. J'ai déjà ouvert en conséquence... Voici l'adresse du jeton like, elle est là. Toutes ces adresses, je les indiquerai dans la description sous cette vidéo. Vous pouvez également voir le code QR. Le voici sur vos écrans, c'est l'adresse du jeton like. Prenons-le et copions-le, insérez-le dans ce champ. Ensuite, nous avons besoin du jeton Bitex que je viens de créer. Donc, c'est votre jeton. Celui que vous avez créé est localisé ici, c'est-à-dire que je l'avais également ouvert à l'avance. Copions de la même manière. Et nous l'insérons ici. Assurez-vous toujours de vérifier ce que vous copiez, c'est-à-dire que si vous indiquez ici des adresses incorrectes, vos jetons peuvent simplement disparaître. Disparaître, c'est-à-dire un réseau pair à pair, vous ne pourrez pas les récupérer plus tard, les erreurs ne sont pas prévues. Ici. Ensuite, non. Nous indiquons ici le levier ou le facteur, c'est-à-dire combien de jetons seront donnés. Disons, par exemple, si j'ai un paire de like bytex, je spécifie par exemple que je veux qu'un like donne 10 jetons byte. Ainsi, je saisis 1 pour 10. Si par exemple je veux 100, alors je saisis 100. Allons à la visite, indiquons. Et donc, si une personne souhaite acheter 10 de vos jetons bytex, en conséquence, il doit payer un jeton like, transfère un jeton like et reçoit 10 jetons Bitex. Cliquez sur le bouton créer pour créer une carte
Ici, nous vérifions les données saisies, la justesse de ces données saisies, oui, les contrats de ceux-ci. Ensuite, on nous propose de payer création d'une carte. Pour cela, nous choisissons le réseau que nous voulons, le réseau Tone. Et je peux payer ici avec des jetons bonus. Rappelez-vous que j'avais 1 millier de jetons bonus cyber euro crédités. Alors, je l'ai choisi et le montant total est de 500 cyber euros. Vérifions à nouveau tout. Avons-nous indiqué correctement le réseau? Avons-nous correctement indiqué ici le token? Et après cela, appuyons sur le bouton payeur. Maintenant, nous devons transférer les 500 cyber euros de ce portefeuille sur ce portefeuille. C'est-à-dire, ce portefeuille est le mien. Ce portefeuille est un portefeuille d'échange. En conséquence, nous allons faire tout cela. Si vous avez des doutes, par exemple, oui, à propos de cette adresse, avez-vous saisi correctement? Il y a toujours une correspondance, possibilité de le vérifier dans Tone Viewer. Allons-y directement, je vais appuyer sur recherche. Nous regardons, oui, c'est vraiment mon portefeuille. Voici, je vois l'adresse, c'est-à-dire que je l'ai entrée au format. Mais il me montre aussi ici au format UQ, c'est-à-dire, oui, c'est vraiment mon adresse de portefeuille. Tout va bien, tout est correct. Continuons. Nous passons ici, je copie l'adresse pour Payment et je dois transférer 500 cyber euros. Faisons-le maintenant. Allons dans le portefeuille, allons ici. Dans ce jeton, ben, nous voyons ici cyber euros. Appuyez sur le bouton envoyer adresse du destinataire. Appuyez sur continuer. Ici, nous écrivons 500. Appuyez sur continuer. On vérifie si tout est correct ici et on appuie sur confirmer et envoyer. Il faut entrer le mot de passe ici. Je vais le faire maintenant. Une fois le mot de passe saisi, appuyez sur confirmer. Tout est prêt et en attente. D'abord, attendons un peu après la confirmation du transfert. Cette page sera actualisée. Tout est prêt. Paiement effectué. La carte est en train de se créer. Il faut attendre un peu. La carte a été créée avec succès. Voici le lien. Vous pouvez le partager ou le donner à d'autres. Et ils, par le passage de ce lien, ils verront cette carte d'échange, verront où envoyer les tokens et peuvent déjà échanger. Avant de faire tout ça, il est important d'ajouter un peu de jetons ici dans le ton pour le gaz. Le gaz est nécessaire pour que l'échange cybernétique fonctionne. Et il faudra aussi déposer sur le solde les jetons Bytex qui seront échangés, c'est-à-dire comme un dépôt de jetons. Il est important de prêter attention à cela. Si vous faites une erreur, comme indiquer l'adresse incorrecte du portefeuille, ou si vous transférez, disons, pas depuis le portefeuille spécifié, pas sur le bon portefeuille, alors votre argent disparaîtra simplement, c'est-à-dire qu'il n'arrivera pas. Et il ne sera plus possible de les récupérer, c'est-à-dire que c'est très important, vérifiez toujours que vous faites tout correctement, les erreurs ici ne sont pas pardonnées, et ainsi, souvenez-vous que si vous transférez des jetons sur cette carte, vous ne pourrez pas non plus les récupérer. C'est-à-dire, une fois crédité ici, par exemple, vous ne pouvez pas les retourner, vous pouvez seulement les échanger. Dans ce cas, des likes sur les Bytex. Le réseau pair-à-pair fonctionne dans un sens ici. Il est donc important de s'en souvenir pour éviter les erreurs. Mais vous pouvez toujours recharger votre carte, recharger avec du gaz et des tokens qui seront échangés. Donc tout fonctionne parfaitement ici en principe. Alors maintenant, que dois-je faire? Ajouter un peu pour le gaz, j'en ai déjà un peu ici, mais je veux en faire plus, juste au cas où. Et vous devez également surveiller cet indicateur, car s'il y a une pénurie de gaz, l'échange ne fonctionnera tout simplement pas. Et encore une fois, vous pourriez perdre votre transaction. Et déposer maintenant des jetons sur Bytex dans le solde. Alors, que faut-il faire pour cela? Envoyer depuis le portefeuille qui est lié à Dejin, c'est-à-dire depuis ce portefeuille de Tone qui est lié à ce compte. Sur ce portefeuille indiqué ici sur la carte, copions-le un peu. Passons à Tone Keeper. J'ai déjà mis la vidéo en pause ici, ajouter un peu de ton. On envoie donc ici, c'est-à-dire on choisit d'envoyer. Ici, nous choisissons l'adresse du destinataire. On peut en principe le faire comme ça. On peut choisir le ton d'abord et envoyer. Allons-y comme ça, probablement envoyer. Adresse du destinataire. Après tout, j'envoie des tonnes, c'est ça. Nous indiquons ici l'adresse que nous avons copiée d'ici. Voilà, oui. Continuez.
Je vais envoyer 300 kg de cela, ce qui, en principe, sera suffisant pour effectuer quelques transactions. Oui, cela sera certainement suffisant, même plus. Cliquez sur Continuer. Vérifions encore une fois, tout est correct, commissionné, confirmé et envoyé. Alors, maintenant, je vais entrer mon mot de passe. On appuie sur Confirmer. Tout est prêt. Maintenant, les jetons vont partir, seront confirmés. Il faudra attendre un peu, juste un tout petit peu. Et actualisons la page. Peut-être qu'ils sont déjà arrivés. Oui, nous voyons que les jetons sont déjà arrivés. Nous partagerons le gaz ensemble. En fait, pas des jetons, mais du thon. Oui, des jetons de thon. Maintenant, mon gaz n'est plus 0,3, mais 0,33. Cela devrait suffire. Alors, maintenant, transférons les jetons Bytex. 50 000 seront jugés. Le faire à la même adresse, c'est-à-dire qu'on la copie à nouveau et on passe à Tonkeep. Ici, je ferai le choix moi-même. Pas des tonnes, mais des bytes. C'est-à-dire que je vais les traduire. Maintenez et envoyez, indiquez également ici l'adresse du destinataire. Appuyez sur le bouton Continuer. J'envoie 50 000 sur cette carte. Et cliquez sur Continuer. Vérifions tout à nouveau, juste au cas où tout est correct. 50 000, 50 000. Commission 0,06 tonnes, confirmée et envoyée. Encore une fois, je saisis le mot de passe. C'est tout. Appuyez sur Confirmer. C'est fait. La transaction est réalisée. Maintenant, il aussi, il faudra juste attendre un peu. Actualisons la page. Regardons. Oui, les jetons sont arrivés. Tout se passe très vite. Maintenant, j'ai 50 000 tokens Bytex et du gaz pour l'échange. Donc, à ce stade, vous pouvez déjà procéder à l'échange. Les jetons dans cette paire émet sur Bytex et tout ira bien, fonctionnera à merveille. Alors, laissez-moi vous montrer maintenant. Nous essaierons d'acheter un peu de like, en fait, d'acheter un peu de tokens Byte avec un autre portefeuille. Je vais préparer mon portefeuille, mettre la vidéo en pause et nous reviendrons. Alors, j'ai préparé un portefeuille pour la démonstration. Je l'ai nommé investisseur pour éviter toute confusion. J'y ai immédiatement transféré un peu de thon. Pour le gaz et 10 jetons like. C'est-à-dire, rappelez-vous cela, ce que nous avons défini ici sur la carte. Un levier de 1 à 10, un coefficient, c'est-à-dire pour un jeton like, il nous sera donné. Pour obtenir 10 jetons byte pour 10 likes, nous recevrons 100 jetons byte. Ce qu'il faut pour réaliser un échange cybernétique. À l'adresse indiquée sur la carte d'échange, vous devrez simplement transférer des jetons, c'est-à-dire le nombre souhaité, disons 100. Obtenir des bytecoins, donc je convertis 10 likes. Je veux la 1000. Donc 100 en fonction de ce levier, ici mentionné, allons-y maintenant, et ici, et j'ai découvert que dans la version web de Tonkeeper, c'est-à-dire via l'extension, si vous payez, il peut y avoir des erreurs, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas toujours correctement. De manière stable et correcte, donc cette fois, je ferai la transaction via mon smartphone, c'est-à-dire l'application du smartphone. Scanner ce code QR maintenant, laissez-moi faire ça. Tout est prêt, la transaction a été effectuée avec succès. Attendons un peu qu'elle soit également confirmée. Alors, mettons à jour la page maintenant pour voir ce qui s'est passé ici maintenant. Pas encore. Gaz, d'après ce que je vois, oui, le gaz a changé de valeur ici. Cela indique que la transaction, ou plutôt l'échange cybernétique, fonctionne maintenant. Il faudra attendre un peu. Voyons ce qu'il y a dans le portefeuille si mes jetons sont partis. Oui, effectivement, les jetons sont partis. J'avais ici des likes, je ne peux pas les voir maintenant. Parce que je n'en ai pas pour le moment. Il faudra attendre un peu. L'échange cybernétique fonctionnera et mon solde devrait être crédité. J'ai transféré 10 likes. Donc si on suit, 100 tokens de Bytex devraient être crédité ici. Attendez, je vais mettre la vidéo en pause maintenant et nous reviendrons regarder. Un peu de temps a passé, actualisons la page. Voyons, probablement quelque chose a changé ici. Alors, on actualise. Et que voyons-nous? Nous voyons que le solde a changé ici. Le solde du gaz a également changé ici. Cela montre que l'échange a fonctionné. Regardons maintenant dans le portefeuille. Alors, ouvrons les paramètres. Ici, vous devrez ajouter le token. Si vous ne l'avez pas encore fait, faisons-le. Il y a Cyber Barter Byte. Eh bien, je vois déjà que les tokens sont vraiment arrivés. Donc, voilà, ils sont sur mon solde. Ce qui indique quelque chose qui montre que l'échange a fonctionné sans aucun problème. J'ai envoyé des jetons like. Et ici, je n'en ai plus parce que j'ai tout envoyé. Oui, il y en avait 10.
J'ai envoyé les 10 et j'ai reçu en échange des jetons Bitex auto-indiqués ici. C'est très simple, juste quelques actions et j'ai reçu mes jetons. Et ainsi, vous pouvez également agir, oui, c'est-à-dire que vous pouvez échanger par vous-même ou donner cette carte à quelqu'un d'autre, à une personne, il va échanger. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de transférer ici les tokens like pour obtenir en échange des Bitex. Et d'ailleurs, faites attention à GATS, c'est-à-dire ce que je voulais dire. J'avais ici 0,3, je crois, oui, 0,3 environ de gaz. Et après une seule opération, il reste 0,3. C'est-à-dire qu'il est très important de maintenir l'équilibre du gaz sur le compte de cette carte, sinon votre échange cybernétique ne fonctionnera pas. Surveillez cela, allez-y. Il serait préférable si votre échangeur est assez populaire, alors gardez plus de gaz ici. Suivre cela pour s'assurer qu'il ne se termine pas soudainement et inattendument, assurez-vous de surveiller cela. Examinons également un sujet comme les transactions dans le réseau de tunnels. Nous pouvons voir les transactions dans le service ToneViewer. Je vais montrer un exemple de transaction. C'est-à-dire, voilà, tous vos transferts des achats. Oui, tout sur Titan, vous pouvez tout voir. C'est-à-dire dans une plume fine. Cela se fait par exemple ici. C'est-à-dire, nous pouvons passer en mode tonal et voir quand les fonds ont été reçus, quand ils ont été envoyés. Donc, on y va. Voici le hash de la transaction. Sur les boutons, plus de détails. Cela nous dirige vers le service de visualisation de ces transactions. Mais moi, je préfère utiliser TonViewer. Ici, j'ai essentiellement entré un hash. La barre d'adresse, oui, le hash de transaction peut également être trouvé via la recherche. Et cela nous amène à la transaction elle-même. Nous pouvons la lire ici. Quelles données sont indiquées ici? Qui a transféré les fonds? À qui? C'est-à-dire, de quel portefeuille à quel portefeuille? Combien et quels fonds ont été transférés? Dans ce cas, c'était un token a été traduit. Vous pouvez également voir ici la chaîne de transaction, voir les frais. C'est possible ici. Laissez un commentaire sur la transaction ou plutôt sur le virement. Ce commentaire sera visible dans la transaction. Et le plus intéressant, nous pouvons chiffrer la transaction pour qu'elle soit vue uniquement par la personne concernée. Je veux dire que j'ai des informations détaillées. Elles sont destinées uniquement à ceux qui en ont besoin. C'est très pratique. Alors, nous avons cette opportunité et bien sûr, vous pouvez voir plus d'informations détaillées ci-dessous. Toutes sortes de frais de gaz et ainsi de suite, tout cela peut être vu ici en détail. Cela concerne le cyberéchange lui-même, la traduction sur le net en tonnes. Alors les gars, ne vous pressez pas de fermer cette vidéo parce que j'ai un petit bonus pour vous, juste pour 2 à 3 minutes. Je vais parler d'un cours très intéressant sur la gestion d'un cybermagasin. Vous pouvez le trouver sur Yandex en cherchant Cyberacadémie de la Nouvelle Économie. Voici le premier lien qui mène directement à. Sur ce cours, je vais vous le montrer rapidement et vous expliquer comment l'acheter. Il s'appelle Cyberacadémie, parle du travail dans une cyberboutique. Vous pouvez l'acheter avec des jetons. Je l'ai déjà acheté à l'avance. Vous pouvez voir le processus d'achat dans une autre vidéo, dans une vidéo plus ancienne, sur la plateforme Dejin. J'ai tout fait cela pratiquement en direct. Je mettrai le lien vers cette vidéo dans la description sous cette vidéo. Comme je l'ai déjà acheté, je ne peux logiquement pas l'acheter une seconde fois. Donc ce n'est pas nécessaire. Donc je vais vous le montrer maintenant de l'intérieur. À l'intérieur, vous trouverez également tous les liens dans la description et sur vos écrans maintenant. Vous voyez, ou plutôt un code QR, en scannant lequel vous serez dirigé vers la page de ce produit. Donc après le paiement, un email vous est envoyé. L'email ressemble à ça. Ici, il y a un gros bouton Obtenir le produit qui mène précisément à un canal Telegram privé où se trouve cette information, ce cours, respectivement. Et à quoi cela ressemble-t-il? Ça ressemble à ça. C'est-à-dire, c'est un canal Telegram privé. Là, il y a des informations ici. Il y a une archive avec des fichiers. Toutes sortes de bêtas, toutes sortes de vidéos différentes. C'est-à-dire, tout cela pour votre apprentissage. Vous pouvez lire et vous familiariser avec l'information. Le cours est plutôt bon. Je l'ai déjà étudié, donc je le recommande aussi à vous. Encore une fois, je le répète, scannez le code QR. Cliquez sur le lien et vous serez redirigé vers la page de cette tablette. Alors, résumons maintenant. Dans cette vidéo, nous avons appris à créer une carte d'échange. Nous avons également appris à créer nos propres jetons, à former cette paire d'échanges. Je vous ai montré comment échanger des jetons avec cette carte d'échange. Je vous ai aussi montré un petit cours intéressant sur le travail dans une boutique en ligne. C'est littéralement tout. Nous avons tout misé en 30 minutes. Je le répète, vous trouverez tous les liens dans la description sous cette vidéo. J'ai ajouté un code QR lors de la couverture d'un sujet et maintenant, sur vos écrans, vous verrez également un autre code QR. Avec ce code QR, vous pouvez faire un don de tokens si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez soutenir notre travail. Je vais finir tranquillement.
Bonne chance et au revoir à tous. Thank you.